Bonjour, alors me voilà de retour avec mes Vibram Five Fingers. Alors, pour vous dire, donc, comme vous voyez, j'ai les sprints au pied. Et l'avion en sprint, c'est loin d'être des sprints, c'est presque. C'est franchement très bien. Trêve de plaisanterie. Lors de ma dernière vidéo, mis à part vous dire que je m'étais décidé à prendre une paire de sprints, il y a un truc que j'avais oublié de vous dire. Je vous disais que effectivement, j'avais mal au pied. Et le mal au pied s'estompe de jour en jour, je dirais entre guillemets. Mais c'est rien de méchant quand je suis à la maison, je dirais. Mais la première fois que j'ai mis les sprints, j'avais un souci à ce niveau-là, juste sur ce pied-là. J'avais mal, c'était la chaussure appuyée dessus, la fixation appuyée dessus. Dès que j'enlevais la chaussure, c'était rouge. Alors, je dois avouer qu'il a fallu 2-3 jours pour ne plus ressentir le disconfort. Et là, aujourd'hui, bah maintenant, je les mets, je les enlève et je n'ai plus de douleur nulle part. La seule douleur qui semble subsister, c'est au niveau des deux petits doigts de pied. Mes deux petits pinkies, comme disent les Anglais. Le problème c'est que ça fait plus ou moins un certain bon nombre d'années qui sont coincés avec ces doigts de pied là. Et là maintenant je leur apprends à avoir une vie un petit peu une vie leur vie propre. Et c'est vrai que alors c'est pas une super douleur, ok, mais je sens que le doigt de pied est irrité hein, donc au niveau des articulations sur les deux doigts de pied juste là. Alors, quand je mets les chaussures, quand j'ai les chaussures, ça ne fait en fait rien. C'est quand j'enlève les chaussures, je sens que ben, mes pieds, mes deux petits doigts de pied sont un petit peu endoloris. Surtout, alors maintenant, ben, je vais devoir faire une sélection sur mes chaussures parce que maintenant, il n'est plus question de porter les chaussures serrées à ce niveau-là, hein, des doigts de pied, hein, j'ai compris. Je suis réellement convaincu, je le vois que ben, je me tiens différemment, hein, donc je suis moins penché au niveau des pieds. C'est ce que je disais lors de la dernière vidéo. Définitivement, mon problème de hanche évanoui. Et surtout, alors ce que je trouve super, alors on le voit un petit peu, si vous regardez bien le pied gauche, et après le pied droit, mais ça se voit mieux sur le pied gauche, j'ai plus d'élasticité au niveau des orteils. Alors quand je dis élasticité, c'est au niveau de tous les orteils, hein, le gros orteil y compris, et le petit pinky. Donc à chaud comme ça, enfin quand j'enlève la chaussure et je m'amuse avec mes orteils, j'ai l'impression que sont entre guillemets des élastiques. Mis à part un doigt de pied que celui-là que j'ai cassé il y a un certain nombre d'années et qui est un petit peu recroquevillé. Mais même lui, malgré le fait que il n'est pas en bonne position entre guillemets sur l'extrémité, hein, c'est surtout au niveau de l'extrémité du doigt de pied qu'il est un petit peu recroquevillé. Ben, il vit très bien en pleine liberté. Et j'avoue que rentrer chez soi, mettre les sprints, c'est de la balle. Après, avec ma paire de speed, pour tout vous dire, je suis parti faire mon tai chi, bien que je fais mes qigong à la maison avec mes sprints. Alors, quand on fait du tai chi, ces chaussures-là, c'est super, parce qu'au niveau des appuis, surtout quand j'ai fait le pas de tai chi avec les chaussures speed, j'ai réellement les appuis hein, sur les différentes positions. Alors, je ne suis pas non plus une professionnelle du tai chi. Ça fait un petit nombre d'années que j'en fais sans entre guillemets sans trop me prendre la tête hein, juste le plaisir de faire les mouvements avec les bienfaits que j'en ressens après et c'est vrai que tenir les positions c'est plus facile et surtout on ressent bien le mouvement donc ouais, je suis plus que conquise comme vous avez pu le deviner à travers toutes les vidéos que j'ai postées jusqu'à présent. Et je ne doute pas que je vais continuer à poster, bien que j'avais dit que j'allais arrêter. Et comme je vous dis, il me tarde. Et je pense qu'il y aura clairement une troisième paire de Vibram à la maison. Et je vais devoir me débarrasser de certaines de mes chaussures parce que j'ai compris qu'elles me rendaient plus, elles me rendaient pas du tout service. Donc on verra comment je fais pendant l'hiver. Eh bien écoutez, je vous laisse à la prochaine vidéo.